nous allons vous raconter l'histoire d'un jeune couple qui avait pourtant tout pour réussir. Malheureusement, suite à une passion débordante pour les voyages et à un mariage sans limite budgétaire, ceux-ci se retrouvent dans la misère. Ils avaient une magnifique maison avec un potentiel énorme. Seulement voilà, Pierre et Florence se sont concentrés sur d'autres choses. Et maintenant ils se retrouvent sans le sou pour aménager leur maison. Les vieux slips de Pierre traînent à terre. Aux côtés des produits chimiques, ils font cela au péril de leur santé. Voyez l'état de la maison. Rien n'avance, les matériaux sont là. Le plafond est encore brut. Une simple échelle pour monter dans les chambres où il n'y a même pas de cloison. Leur toilette se résume à un pot de peinture vide. Maison à vendre. Ça aurait pu être le début d'un rêve, c'est le début d'un cauchemar. Ils doivent se laver parmi les planches. Voici leur chambre. Ils dorment à même le sol, sur le béton. Mais tout ça, c'était sans compter sur l'aide de Marc et son équipe de manuels. Allô, petit Manuel ! Ouais ! On va aller voir le travail ? Ouais ! Vous pensez qu'il y a beaucoup ? Ouais ! On va aller voir ce qu'on peut faire pour aider ces jeunes mariés. Ouais ! Oh, Marc ! Bravo les jeunes mariés ! Oui, Emmanuel ! Plutôt que de construire sa maison. Oh, ne vous inquiétez pas, on est là. On est là. Marc et Emmanuel vont résoudre ce problème. Oh, ah, il y a beaucoup de travail ici, mais heureusement, tous ensemble, on a une bonne coloriste. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ici? Alors ici, partout, tout en haut, je vois du rose, partout, du rose, des paillettes. Ici, du jaune, oui, du jaune fluo, du jaune pâle, du jaune rose. Là, du vert, ah, oui, partout, du vert. Là-bas, du violet autour, du violet. Et alors, du bleu sur vos yeux, monsieur, du bleu. Et au fait, vous êtes qui, vous deux? Nous sommes le père. Je vois que cette maison est bien pensée. L'interrupteur est à la bonne place. Nickel, ça fonctionne. Alors, Emmanuel, la salle de bain. Mais justement, on a un gros problème. On n'a pas de plombier. Ah, ben le voilà, justement, il arrive. Il te fait pas penser à quelqu'un? Ne vous inquiétez pas, dans tous ensemble, on a nos petits noirs. Et ils vont pédaler pour l'électricité. Le petit noir ! Le petit noir ! Allez, pédale, là, il me faut du jus, là. Allez ! Eh, je fais ce que je peux, là. Pouh, qu'est-ce qu'on va foutre ici encore? Je sais vraiment pas. Sauf une petite pâte. On va faire ça. Ça va faire du bien, ça. Go, ça fait une... Quoi? Ouais, merci, ma biche. Il fait un peu mal. Allez, après ça, c'est bien. Chill. Santé. On n'a pas facile. Bon alors Laurent, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans ce truc ici pour qu'on gagne un peu? Ah, moi je pensais peut-être mettre bah, un poil, un beau poil, hein. Ben voilà une bonne idée, ouais, ça. Ouais. Vas-y.
Allez Manuel, le boulot n'est pas terminé, on y va. Bon ben, Nico, qu'est-ce qu'on va faire ici? Bah je ne sais pas. Ça va être une bière quand même, non? Parce que ça m'a déjà pas mal arrangé pour la cuisine. Ils ont les prises de commande et ils ont les grilles pour le barbecue déjà, donc... Il reste plus que la bière à prendre. On va prendre une bière. Allez, Michel. Je te l'ouvre. Allez, vas-y, tu veux bien. Voilà. Parce que ça, j'ai jamais essayé. S'il te plaît, Michel. Allez. Allez, à la santé d'une cuisine équipée. Oui, hein. On n'a pas facile. Non. Il y en a même quelquefois dur. Oui. Collo terrorista. Harlem shake.